sais où on va? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors, on va revoir Lucas? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas. On n'est pas sortis d'affaires. Au fait, qu'est-ce que vous foutez avec l'Inquisition aux fesses? Il a quoi de spécial, le petit? C'est... compliqué. Et ton frère? Ça va aller? Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Hé, hey, tombe pas amoureuse, t'as compris? Ou il brisera ton petit cœur. Quoi? Mais non! Hé, hey, un moulin! Ouais. On va traverser par là. Waouh! Il est toujours... comme ça? Il a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. Le premier au moulin a gagné! Hé, moins vite! C'est fermé. Laisse-moi faire. Ouvert. Elle est géante, cette roue! C'est pour écraser le blé. Oh, le courant est trop fort. Comment on va faire pour passer? On doit arrêter la roue. Et comment on va l'arrêter? Amicia, on va trouver un moyen. Nelly, tu peux t'en charger? D'accord. Le courant diminue, mais c'est pas suffisant. Il doit y avoir autre chose. Plus qu'à traverser. Arrête. Ça marche. Je vais t'aider de l'autre côté. Nelly, tu peux le faire? Ouais. Non, arrête-toi. Mais j'ai besoin de ton aide. Amicia. Attendez ici. J'attends ton signal. À toi, Mélie. D'accord. Hugo, tu veux bien t'en occuper? Oui. Mélie, tu peux t'en charger? Est abaissé, princesse. Tombe pas à la flotte. Et voilà! Tu vois, c'était pas dur. On a battu le moulin. Si jamais l'Inquisition arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira à coup sûr. Ça me simplifier la vie. On va... passer... par là. Allez. T'essayes de m'impressionner ou quoi? Hein? Non. Bon, allez, venez. C'est joli ici.
Ça sent la terre. L'aqueduc. Lucas est là-bas? J'espère. Il va pas avoir fière allure, votre château. Pourquoi? Il y avait un village ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Oh, Amicia. Elle plaisante, Hugo. Bien sûr que je plaisante. Depuis quand je... Amicia. Hugo, qu'est-ce que tu fais? Viens. Hugo. Hugo, regarde-moi. Ça recommence? C'est ta tête, c'est ça? Ça fait comme... une chose qui grossit... dedans. Mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est... c'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos si tu peux. Allez. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang, toi, t'as rien? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Amicia. J'ai peur. De quoi, Hugo? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. J'arrive. Hugo, descends, s'il te plaît. Ah, c'est ça ta maison? C'est une planque, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça? Comme des gibiers de potence, tu veux dire? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout noble ça? Noble? Amicia! Ça veut dire quoi, ça? J'ai froid. Noble? Regarde-nous bien. On n'a plus rien, Mélie. Tu te fous de moi? Qui c'est qui va nous payer, alors? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riche. Mais... c'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. Alors, tu vois quelque chose? Non, c'était rien. Hé, hey, les gars! Par ici, venez m'aider! Où ça va? Ça va dehors. Oui, mais dehors où? Fais-moi confiance. Et ton frère? Il aurait déjà dû être là. Désolé. L'enterre pas trop vite. Merde. Restez baissés. Il a un casque. Oh! Dévorantis. Quoi? Dévorantis. Bonsoir. Salpêtre et alcool. Merde. Ça brûle la gueule et ça ronge l'acier. Personne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. D'accord. Vise le casque. Défonce-lui la tête avec une pierre. Allez! Je vous avais dit que je vous aurais. C'est pas assez fort, Amicia. Bien fait pour cette rogne. Ça fait du bruit. Dis donc, t'es pas un peu rabat-joie, toi? Il y en a un avec un casque. Tu sais quoi faire? Oui. Tu sais où sont les pierres aiguisées? Dans une des caisses. Mais c'est un bordel sans nom là-dedans.
Je vais chercher. Hé hey. Ah. On se fout de ma gueule. Hé hey, qu'est-ce que tu fais là? Hé hey, tu m'entends? T'es fier de toi, meurtrier? Fais-moi confiance, tu vas payer. J'aime ça. S'il y en a deux, c'est qu'il y en a d'autres. On doit sortir de là. Faut retrouver la Queue-Duc. Je sais. Où est le château d'Ombrage? Par là. Suivez-moi. Oh non! Je le savais. Du calme. Mais il y en a partout des pistes ici. C'est un coin à sanglier, ravi de la France. Vous voyez la haie s'éclairer là-bas? Nicolas, c'est par là qu'on sort. Bon, pour vos putains Amicia, tu as la fronde. Tu passes devant. Hugo, tu surveilles la zone. Tuez les autres. Et pas un bruit. D'accord. Entendu. Il me cherche encore. Ma mère m'en a parlé quand j'étais gamin. Il s'est passé des choses ici, il y a longtemps. Pire que la morsure. Ah, rien d'en parler, j'ai les poils qui se hérissent. Faut dire, il fait frisquet. Rigole tant que tu veux. Le sol oublie jamais le sang qu'il a. C'est quoi ça? Il paraît que les gamins ont foutu un sacré bordel chez les Anglais. Jamais vu une explosion pareille. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Un jeune voleur qui aidait les deux runes. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il n'avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Oh merde. Toujours rien. Merde.
Ellie, je suis... Non ! Plus tard. Beaucoup d'hommes pour juste des gamins. Et le grand inquisiteur n'a pas l'air de ménager beaucoup le seigneur Nicolas. Voilà, ça fait pire. Je l'appelle pas le moine écarlate pour un... On y est presque. La R s'est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. Là ! Ne restons pas là. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, Votre Altesse. Avance. Qu'est-ce que vous allez me faire? Attention, c'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Ils t'amèneront en ville au bastion de l'Inquisition. Attention. Quoi? C'est pas vrai. Lucas! Je suis tellement content de vous revoir. Oh, tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça a fait boum et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hey, je t'entends. Et toi, Lucas? Ça va? Hey, ça vous dit de faire ça en courant? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer?
Vous en pensez quoi? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez. L'aqueduc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois? Oh non. T'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Qu'est-ce que c'est? Un accident. C'est un chariot de l'Inquisition. Lyra. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'inifère. Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Salpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Lance-le sur les rats. Luminosa. Ah, ça pique les yeux. Ah, ils ont été pulvérisés. Hein? Lucas, le chariot est plein de matériel alchimique. Oui, c'est logique. L'Inquisition n'aurait pas pu remonter jusqu'à la Macula sans l'aide de textes alchimiques. Ça m'a l'air bien mieux. L'aqueduc, on arrive. Enfin, on va enfin savoir. Je vais t'aider à monter. D'accord. On va monter sur l'aqueduc. Hugo, on dit aqueduc. Ah, aqueduc. Aqueduc. Mélie, où est ton frère? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. Ne bougez pas. Je reviens. Compris. Bien. C'est bon. Me voilà. Monte. Oui. Quoi? C'est tout? Il n'y a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non, non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier? Bien vu. Amicia? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Est-ce que c'est la mer? Non, juste une poche d'eau souterraine. Hé, hey, il y a un ponton. Des gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie. J'avais jamais entendu parler de cet endroit. Et le château? Il est où? Ça, pour le savoir, il va déjà falloir traverser. Bravo. Un bac à trail. Un quoi? C'est une barque tractée par une corde que l'on tire à la main. Il y a une manivelle.
Tu m'aiderais avec ça? Ouais. Cet endroit est incroyable. Ouais, c'est pas mal. Dommage qu'on n'ait pas de vin ni de fromage. Ça aurait été une très bonne idée, oui. Ça tiendra pas tout seul. Traversez avec Hugo. On vous rejoindra. Tu es sûr? Ouais. Il y a de la place que pour deux. Aide-moi avec ça, tu veux? Pas de problème. Je reviens vite. Restez là. Je t'attends. Un coup de main? Ça me va. Ça m'a l'air bon vu d'ici. Je suis derrière toi. Mélie, j'ai besoin de ton aide. Lucas! Viens faire ta part au lieu de roupiller. Oui. L'eau est toute verte. C'est parce que plein de choses vivent dedans. Elles doivent avoir froid alors. Tu sais, il y a longtemps, Père m'avait emmenée au lac de Tourne. J'avais glissé dans l'eau et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend que vous. J'y vais ? Oui, vas-y, monte. J'espère qu'ils savent nager. Accrochez-vous. C'est parti ! Wow ! Je vois pas de poisson. Oh, ça, c'est à cause du monstre. Hein ? Un monstre ? Bien sûr ! Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils ont aussi très faim. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai, mais chacun son tour. Il n'y a pas de monstre ici, mais il y a peut-être une baleine. C'est gros une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. À votre tour! On arrive! C'est bon. Vous pouvez lâcher. Ça va? Oui, ça va. J'aime pas trop l'eau. Mélie, je suis désolée de vous voir mentir. Amicia et Hugo allaient peut-être mourir et j'avais peur. Je... T'en fais pas. On n'en parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Vous parlez de quoi? De trucs de grand. Allez, on continue. Fermé. Pas pour longtemps. Écartez-vous.
C'est ouvert. Oh, et voilà, ça recommence. Ils m'avaient pas manqué, eux. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est... Non, pas possible. Je dois voir ça de plus près. Cette fosse... Quoi, Lucas? Qu'est-ce qu'il a? Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas! Celui-là, dans l'autre sens. C'est un système de défense. Comme un château? Comme un piège à rats, qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Bien, Mélie. Pendant que les hommes rêvent, il faut qu'on avance. Qui a construit ça? C'était... peut-être des chevaliers. Peut-être que les chevaliers m'ont mis la pierre et le mortier. Mais des artisans, oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, ils sont pas là depuis longtemps. Allez, juste. À la fosse. Je et dois ça, passer de l'autre côté. Ça me donne bon, allez, la chair venez. De poule. Fais des saletés de rongeurs. Tu crois qu'on peut faire tomber ça? Bien vu. Viens, je vais te faire monter. J'arrive. Je m'occupe de la porte. Allez, passez, bande de feignants. Il n'y a pas à dire, c'est Parfait. Efficace leur système. Allons-y. Je passe devant. Oui, oui. Encore une porte? C'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire, ces portes. Il est là! Le château! Wow. Il existe vraiment. Le château d'ombrage. Il est superbe. J'ai douté un moment. Mais ça... ça, c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près. Comment? Wow! T'as vu ça? L'éclair. Ils ont peur des éclairs. Essayons. Vous rigolez?
Encore un effort, Hugo. C'est loin. Trop loin pour passer en une seule fois. Incroyable. La tour là-bas, ce sont les quartiers d'habitation. Elle doit avoir plusieurs siècles. Ça a l'air d'être au sec, mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Elle est fermée. T'en charger. D'accord. Elle est pas toute jeune, cette serrure. Oh, il y avait quelque chose de vivant là-dedans. T'es ouvert. Ils se sont tous donné rendez-vous ici, on dirait. Comme ça, on pourra faire bouger les rats. On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Prête, Mélie? Du moment qu'on les dégage. Allez, le siège du château d'Ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Regarde, ils changent d'enceinte. L'îlot du centre a l'air accessible maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier, parce que les rats, c'est ton rayon. J'ai compris. Je me sens déjà mieux. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Regardez ça. Oh. Bon, il n'y a plus de doute sur l'utilité de la fosse. Oh, le brasier revient tout seul. Mélie, tu peux venir? J'arrive, même si j'étais bien là-bas. Regarde-les. Ça grouille comme des nobles à la cour du roi. Mais c'est notre château. Ah.
Ceux-là aussi doivent finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. C'est ma vie que je mets entre tes mains, là, hein? Ouais, la routine, quoi. Dis-moi quand t'es prête. Tu peux le faire? Ça marche. Ouah, ça manque d'entretien. Tu préfères être en bas, peut-être? Ça va, c'est juste que je me chauffe. Je suis au maximum. Alors? Je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Eh ben, vas-y. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité. Dernier secteur maintenant. Je dois retourner à l'échelle. Il y a encore des rats en bas. Je vais avoir besoin du brasier. Quand tu veux. Vas-y, crampe. Ça marche. Le pont, on ferait mieux de le baisser. Et c'est ainsi qu'Amicia l'Amazone et Mélie la discrète conquirent le château d'Ombrage. Oh là, t'as trop lu de livres, toi, hein. Je... Allez, faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord, je descends.
ça? Ça va aller, c'est juste un vieux levier qui agonise. Tu trouves toujours les mots, toi, hein? Ça va aller. C'est ton château. Vous avez une sorte de lien. Notre château. Imagine, on pourrait vivre ici tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave, moi, tu sais. Comment je vais faire pour monter? Tu dois avoir une échelle. Ces saletés de rats sont partout. Là, ici à l'Amazon. Leur une histoire? Très drôle. De mon côté. Je vais avoir besoin de toi. J'arrive. Bon, on est reparti pour un tour. C'est comme ça qu'on conquiert un château. C'est comme ça qu'on tombe malade. Non, pas dans ma version de l'histoire. Revenait de droit, un vrai foyer. Arrête ça. Allez, je suis sûre qu'il y a une cave pour toi ici. Amicia, c'est pas si simple. Tu me connais pas. D'accord, j'ai compris. Pas.
château nous a sauvés. Oui. Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Allez, tous à la tour! C'est parti. Venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant.